we have another 5 weeks to finish the show, time will go very fast. So it's important that all of us, we focus on the task to accomplish. On est des architectes de l'espace, dans le milieu du spectacle. C'est nous, en fait, qui établissons l'architecture de la scène. Quand je suis arrivée sur le projet, je suis allée fouiller un peu sur c'était quoi les origines d'Alegria, parce que Alegria a été aussi bâti sur les histoires de pouvoir des rois, de la monarchie. Dans ce cas-ci, on a vraiment travaillé comme étant une grande couronne et s'illumine au fil du spectacle. Il faut sentir qu'il y a la disparition du roi ou que c'est un trône, puis c'est un royaume en perdition. The king is the throne, the scepter is the power. You need to have both to understand that something was abandoned. Structurellement, ce qui peut être intéressant, c'est que the structure of the throne, we feel the body of someone that stayed there. Mais qui se sépare en plusieurs morceaux, ça pourrait être drôle. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on puisse, il faut qu'il puisse s'asseoir. He should be able to get on it, play with it. Je le vois. Tu le vois, là? Oui. On est chez un de nos fournisseurs pour la scénographie d'Alegria parce que le décor, en ce moment, il est fait de plusieurs spécialités. On a de la structure, on a de l'ingénierie, on a de la sculpture, on a de la patine, on a de l'intégration d'accessoires dans la scéno, on a du textile, on a de la couture. Ce qui fait que c'est un amalgame de gens pour y arriver. Puis dans la scéno, en ce moment, il y a tout un travail de rosiers qui viennent se greffer dans une structure métallique. Ça a été leur mandat de développer ça. Mais ce qui est intéressant, là, c'est qu'ils ont vraiment voulu faire une maquette à un pour un de la couronne. Faire la texture des branches et des vignes. C'est de la corde de chanvre, en fait. Ça imite vraiment la fibre avec l'espèce de texture qu'on met par-dessus mélangée. On arrive à avoir un résultat assez réaliste, comme si les branches y avaient eu du vécu puis qu'ils avaient travaillé avec le temps. Moi, je trouve que ça fait du bien de faire ça. Ouais. Je trouve que ça fait du bien d'arriver à ce type de développement-là, là, de travail fait main, là, ça va ajouter une humanité. C'est comme un petit système avec des boules. C'est comme un guide, en fait. Au début du spectacle, le trône, il est en pièce sur scène. Quand le personnage principal qui reprend le pouvoir arrive, on refait ce gros accessoire-là. Donc, les artistes vont l'assembler. Donc, ça doit être très rapide, très efficace, puis en même temps, garder toute son esthétique. L'intégration de la lumière, Mickey travaille des lumières qui sont très, très dynamiques, très graphiques, très modernes. What I try to do is I try to create atmospheres, emotions and moods for the production. Connect the lighting with the different tableaus we have so that it speaks to the public in the best possible way. That's how I would describe it. Yeah, here in Big Top, it's pretty limited where I can hang lights. So we have four masts that are supporting basically everything. And then we have the cupola. Thank God nowadays we have moving lights. So one light for me can do, you know, 30 jobs. It can change color and change focus, and the beam can be smaller, bigger. We have some lights inbuilt into the turntables, so we create a nice effect when the turntables are revolving. I have to say, like yesterday when we did a run of the production, watching what we're doing on stage, you tend to forget that we are in a tent. So we are already somewhere. Très cool, c'est très cool. Méchant bel environnement. This is gonna be a good ride.
This is emotionally charged place. I love this. I had no idea the feeling you get when you walk in there. Having that playground to ourselves, it's really touching. We've had a checkpoint, as you know, a few weeks ago. The feedback we got was that the rhythm of first half was not quite there, was a little bit slow. There were parts of the show that were a bit too dark to be Alegría. We want to share with you what we're heading for, what we're about to do. What is this story about? It's about resilience. It's a tale of resilience. So the changes that are made in the first act are just because of that. So that everything is there for a reason. We have a great show. We need to make adjustments. And this environment is going to help us do that, to get it to the second level. I know that when we say we have another 5 weeks to finish the show, I know it sounds like we have a lot of time, but time will go very fast. It's important that all of us, everybody here, we focus on the task to accomplish. Come on. Create your character. Oui! Oui! Ça, c'était bon! What's happening? Premiere is happening tonight. Are you kidding me? Ooh, hey! We're about to burn the house down.